Salut les touristes. Donc vous avez été nombreux à me demander quelle peinture on avait utilisée pour le camping-car. Alors voilà, j'ai gardé tous les pots de peinture et puis j'ai imprimé les feuilles voilà, de là où on les a eues. Alors je n'ai pas envie de faire de pub, mais on les a eues à Casto. Mais surtout sur ces produits-là, résinence, on aurait pu payer beaucoup moins cher en allant à Leroy Merlin. Bref, là c'est les prix qu'on a payés, donc je vous fais la vidéo de nous, combien ça nous a coûté. Sachant que vous, ça peut vous coûter moins cher sur ces produits-là, si vous regardez bien avant de les acheter, pas comme nous on a fait. Voilà, si vous regardez bien, parce que là, je crois que ça doit être ici quelque part, ou ces produits-là. Là, ils sont affichés à 25,90. De souvenir, ouais, ils étaient à une vingtaine d'euros à Leroy Merlin. Bref, donc on a utilisé de la peinture Julien pour les meubles. On n'a pas pris de primaire d'accroche. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on a fait nous. Et si ce serait à refaire, je vais vous expliquer aussi à la fin de la vidéo si ce serait à refaire, comment on aurait fait. Donc, on a commencé avec la peinture Julien. Comme ceci, spécial, meuble, mélaminé et bois, acier. Enfin voilà, donc c'est une très bonne peinture. Hein. J'ai entendu pas mal de bien là-dessus. Donc on a commencé avec ça et en fait on a dû mettre presque 4 couches. C'est pour ça qu'on a dû acheter 2 pots. Donc un pot ça coûte 56,95 €. Donc on en a acheté 2 et on n'en avait toujours pas assez pour avoir un résultat voilà, blanc comme on voulait, vraiment blanc parfait. On avait toujours des traces. J'ai voulu en racheter un troisième, il n'y en avait plus. Donc j'ai racheté cette peinture là qui est Designez-vous. À 59,90 €, donc un tout petit peu plus cher. Par contre, elle couvre un peu mieux. Donc là, on avait déjà un meilleur résultat, mais il y avait déjà 4 couches avant. Donc la 5e couche était ça, et on a passé, suivant les endroits, ouais, une 6e couche pour vraiment avoir un truc parfait, un blanc parfait comme on voulait. Donc ça, c'est pour le blanc. Ensuite, pour ce qui est couleur, on a acheté du gris perle. Donc voilà. Donc là, le pot, c'est 25,90 € et on a dû en acheter 2 pour vraiment tout, parce qu'il nous en manquait vraiment très peu à la fin. Et du coup, on a dû racheter un deuxième pot et je sais plus ce qu'on n'avait pas fait en gris. Bref, peu importe. Du coup, on a racheté un deuxième pot et là, on a pu faire même les petites finitions comme les tours des ici en gris. Voilà, on n'a pas fait ici parce qu'on ne voulait pas trop en faire. Du coup, on a fait le tour des baguettes un petit peu partout en gris. Et puis finalement, on n'a pas regretté parce que ça apporte une meilleure finition. En noir, du coup, pour les liserés et puis la table. Et puis les liserés de la porte. Et puis c'est tout ce qu'on n'a pas en noir. On a utilisé donc cette peinture-là, toujours en résinence. Franchement, cette peinture-là, moi je l'adore, c'est parfait. Parce que, voilà, en 2 couches, même pas, vous avez un résultat nickel. Et donc, toujours 25,90 €. Et pour que ces peintures-là tiennent, ah oui, on a peint aussi le meuble gaz évier. Voilà, l'évier et le gaz et la crédence aussi en gris pour avec cette peinture-là. Vous pouvez peindre aussi, cette peinture est super. Et la résine fait l'accroche du produit en fait. Et donc on avait pris ce pot-là. Et à la fin, du coup, il nous en restait un petit peu. Et puis on avait mis la table à sécher dans le garage. Et on n'y pensait plus du tout. Et en fait, on avait oublié de faire la table. Et du coup, j'ai racheté celui-là. Donc là, c'est résinence toujours et effet miroir. Donc ce pot-là, il est en... Je vais vérifier que ce soit bien en 5 litres. 0,5 litres, c'est bien ça. Il est à 53,90 €. Et ce pot-là, du coup, qu'on a dû racheter à 34,90 €. Alors, ok, c'est cher, mais par contre, voilà, on a un résultat parfait. Ou presque. Parce que justement, voilà, si ce serait à refaire, eh ben, je retire cette peinture-là et je prendrai un pot de blanc. On aurait payé peut-être un peu plus cher, mais au moins on aurait eu le blanc de cette marque-là
et la résine n'aurait pas jauni. Parce qu'en fait, on a dû peindre, voilà, hop, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, on a peint, et vous voyez, on voit, voilà, ici on a un blanc parfait là, et juste au-dessus, on voit que c'est jauni. Donc légèrement, hein. Le placard d'à côté, il n'y a rien du tout. Et là, un tout petit peu, en fait, il faut vraiment avoir l'œil dessus pour voir que, voilà, que ça a jauni. Mais ça a jauni. Donc voilà, je suppose que comme on n'a pas utilisé la même marque de peinture, ça doit être une réaction. Et donc vous voyez, l'évier et la plaque gaz qu'on a peint du coup avec cette peinture. Et donc oui, ce serait à refaire, et ben on reprendrait de la peinture résinance qui serait peut-être un peu plus cher, je vous repose, hop, qui serait peut-être un peu plus cher, mais au moins hop, de meilleure qualité. Et donc je vais faire le calcul des achats de toute cette peinture. Je ne l'ai pas encore fait, franchement, je n'ai pas encore regardé, je ne sais pas encore combien ça nous a coûté. Surtout, pour bien, si vous avez envie de repeindre votre camping-car, préparez bien vos supports, les dégraisser, les poncer. Poncez bien vraiment partout, parce que si vous ne poncez pas et que vous repeignez dessus avec une peinture genre comme ça, je doute fort qu'elle accroche correctement sur le support. Et là, vous allez avoir un résultat dégueulasse dans le temps où ça va s'écailler. Normalement, nous, on ne devrait pas avoir de soucis grâce surtout à la résine. Par contre, bon, elle a jauni légèrement cette peinture-là. Mais au moins, ça fait une accroche et ça accroche l'ensemble. Et par contre, voilà, ça aurait été à refaire aussi. J'aurais acheté, il existe un primaire d'accroche de cette marque-là. Il doit être en pot comme ça, je crois. Le prix, je ne le sais plus. Mais j'aurais pris la primaire d'accroche, la peinture blanche. Voilà, tout en résinance et au moins il n'y a pas de souci. Je ne suis pas payé par eux, hein, voilà, ça me fait même chier maintenant de citer des marques. Mais ils ne me payent pas et puis enfin bref, parce que vous êtes nombreux à me demander les peintures qu'on a utilisées. Et donc voilà, je suis obligé de citer les marques que j'ai utilisées. Donc là je vais faire le calcul et je reviens vers vous pour vous dire le prix de revient. Donc voilà, après calcul, du coup, la peinture Julien, on l'a payé 56,95€. Il y a deux pots, ça fait 113,90€. Plus celle-ci à 59,90€. Donc là, ça fait que pour le blanc, on en a eu pour 173,80€. Sachant que nous, on a voulu, on a procédé comme ça. Je ne sais pas combien ça m'aurait coûté. Pour, en passant par résinance avec le primaire d'accroche plus le blanc, mais même si on en avait pour un peu plus cher, je crois qu'on aurait un peu moins galéré à passer 4 couches. Parce que franchement, passer 4 couches, voilà, c'était fatigant. Au début, on a commencé, on était content de commencer, et quand on a vu le résultat de la première couche, bon, on s'est dit c'est la première couche, la deuxième couche et la troisième couche, là, on était complètement déçus. Déçu et démotivé. Donc ça c'est pour le blanc, 173€, même si j'aurais payé un peu plus cher, si j'avais payé un peu plus cher pour le blanc résinance, je crois que j'aurais préféré le résinance. Bref, donc 173,80€ pour ces deux-là. Ici, le gris perle, on a deux pots à 25,90€, donc ça fait 51,80€. Plus ce pot-là à 25,90€, ce pot-là à 53,90€ et ce pot-là à 34,90€. Là, pour ces produits-là, on en a pour, je ne sais plus combien, 160€, je crois. Il y a 160€ de peinture là, mais au moins, vous avez des produits franchement de qualité où vous pouvez peindre sur des supports même légèrement plastiques, comme nous, le plafond qui est légèrement... comme si c'était du lino, en fait, un petit peu tendre. La résine, voilà, tout ça, l'évier, les plaques de gaz, le carrelage, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, franchement, moi, je trouve que c'est une super peinture.
Et donc le total, on en a pour 340,30 € pour avoir ce résultat-là, du coup, du camping-car, où on a vraiment un résultat, on va dire, presque parfait. En temps, on a dû mettre 2 semaines environ, sachant qu'on a dû passer de la peinture, attendre que ça sèche. Ensuite, ben, cette peinture-là, on n'en avait plus, j'ai dû en racheter, mais il n'y en avait plus, j'ai racheté celle-ci. Là, la résine, faut attendre au moins 7 jours avant un contact avec de l'eau. Enfin, renseignez-vous, hein, tout est expliqué dans la notice, mais voilà, il faut vraiment attendre que le support soit super sec avant de l'utiliser. Et puis voilà. Donc surtout, préparez bien votre produit, poncez correctement tous vos meubles, cassez bien le brillant si vous n'utilisez pas de primaire d'accroche parce que et dégraissez correctement. Parce que sinon ça tiendra pas et ça fera un effet comme si qu'il y avait eu de l'huile, vous savez, de l'huile avec de l'eau, ça va faire un effet comme ça. Nous on avait très très bien poncé et dégraissé. Il n'y a qu'un endroit où on n'a pas fait, on a vu tout de suite que voilà, ça faisait un résultat pas terrible. Du coup, on a laissé sécher et on a reponcé la peinture pour ravoir la couche du dessus et bien reponcer et repeindre au-dessus. Voilà, tout est dans la préparation. Prenez votre temps. Et puis voilà. Et puis franchement, on est super content du résultat, hein, comme je vous l'ai expliqué, mis à part le jaunissement. Mais là, vous pouvez voir, on a fini. Voilà, vous voyez tous les bandeaux qui étaient en tissu, bah, comme la capucine, comme ici. Voilà, tout était en tissu comme ça. Vous pouvez revoir mes anciennes vidéos, hein. J'ai fait une playlist sur rénovation du camping-car. Et vous pouvez voir le résultat d'avant, en fait, qui était vraiment pas top. Hop. Et donc voilà. Donc là, c'est le lit de la petite. Il reste là-bas, vous voyez, là-bas dans le coin, à nettoyer tout le blanc, à gratter là où il y a eu des traces de rouleau, en fait. Et après, on verra après les vacances. Hop, à une main, c'est pas évident. On verra du coup après les vacances pour attaquer ben, la salle de bain et la capucine. Donc là, ce sera un autre chantier parce que je veux vraiment que ce soit bien fait. Et il y aura aussi le sol du camping-car qui est pas top. Voilà. Donc il reste de la peinture, hein, mais je vais gratter le plus gros. Et je crois que je vais mettre des lattes style parquet, mais en plastique. Voilà, en ton bois, gris clair et blanc. Ce sera sûrement les couleurs, j'ai pas envie d'une couleur trop foncée. Même si j'aime le noir, j'ai pas envie de trop assombrir ce qu'on a là. On a passé du temps pour l'éclaircir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, puis surtout à vous abonner. Vous avez été nombreux à arriver sur la chaîne. Donc, il y a des vidéos de camping-car, il y a vraiment un peu de tout, hein. La pêche à l'aimant que je fais aussi, la détection avec mon détecteur, un petit peu de mécanique, enfin voilà, il y a vraiment un peu de tout. Et j'ai commandé de quoi améliorer nettement la qualité de l'image. Et normalement, ça va venir pour la prochaine vidéo. Et pour le son aussi, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, j'ai investi un petit peu, mais bon, le YouTube, voilà, a reversé un petit peu d'argent, ça fait toujours un peu plaisir, et du coup, je vais pouvoir améliorer mes vidéos, et j'espère que vous serez encore un peu plus satisfait de mes vidéos. Je vous dis à bientôt.